Je dis aux électeurs du Front National que je comprends leur colère, leur angoisse et leur sentiment d'abandon, mais que voter Front National conduira la région à une voie sans issue et au déclin définitif. Je dis aux électeurs de la gauche, qui étaient particulièrement désunis au premier tour de ce scrutin, qu'ils peuvent se retrouver dans le projet que je conduis et dans les valeurs gaullistes que j'ai toujours eu à cœur de défendre tout au long de mon engagement politique. C'est aujourd'hui de ma responsabilité de conduire ce combat pour les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qu'a toujours su symboliser la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Dimanche prochain, j'en suis sûr, le sursaut viendra de la région dans ses profondeurs. Chaque électrice, chaque électeur a en lui une part de l'avenir de notre région, la troisième de France. Chaque électrice, chaque électeur possède ce pouvoir, celui de faire barrage à un parti extrémiste qui n'a ni projet, ni attachement à notre identité. Face à la candidate de l'affrontement, je serai le président du Rassemblement. Nous ferons rempart. Le visage de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ne sera pas celui de Madame Le Pen.